fan absolu de Desperate Housewives, testez-vous avec notre quiz spécial consacré aux 4 héroïnes légendaires. Prêt pour un sans faute? Attention, spoiler! Cela fait 10 que l'on a dit adieu aux Desperate Housewives. Et il faut bien l'avouer, elles nous manquent tellement. Car quand les Desperate ont débarqué dans nos vies, être femme au foyer désespérée a pris un tout autre sens. La femme de 40 ans, et plus, a enfin été perçue comme vibrante et émancipée, forte et complexe, une révolution. 8 saisons et 180 épisodes plus tard, Desperate Housewives a définitivement changé le visage du petit écran de l'humour noir et du mélodrame façon soap opéra assumé, la série nous a offert un quatuor féminin qu'on n'a plus qu'adorer. Suzanne, Brie, Lynette et Gabi ont rapidement formé un groupe iconique aux répliques aussi tranchantes qu'hilarantes et aux aventures rythmées de délicieux twists. Desperate Housewives, Suzanne, Brie, Lynette ou Gabrielle. Qui a fait quoi dans la série? Fan absolu de Desperate Housewives, testez-vous avec notre quiz spécial consacré aux 4 héroïnes légendes. Prêt pour un sans faute? Attention, spoiler! Quelle housewife n'a donné que des prénoms commençant par P à ses enfants? Quelle housewife a accidentellement mis le feu à la maison d'Eddie? Quelle housewife a volé des toilettes mobiles pour les installer dans son jardin? Quelle housewife a accidentellement fait s'étouffer un chien avec sa boucle d'oreille? Quelle housewife se rend à l'hôpital croyant qu'elle a eu une attaque alors qu'elle a en réalité eu son premier orgasme? Quelle housewife s'est bagarrée avec une nonne dans une église et l'a accidentellement conduite à prendre feu? Quelle housewife a sans le savoir arrangé un rendez-vous galant entre Catherine et un chirurgien trafiquant d'organes? Quelles housewives ont été veuves au cours de la série? Quelle housewife a accidentellement provoqué la mort de l'ami imaginaire de son enfant devant les yeux de ce dernier? Quelles housewives aident à couvrir la mort d'Alejandro, le beau-père de Gabriel, tué par Carlos? Non, Brie, n'est-ce pas fière de toi? Tu peux mieux faire. Bien joué, bravo! Et il faut dire que la cultissime banlieue de Wisteria Lane aura effectivement tout, grâce à la narration d'outre-tombe d'une autre housewife tout aussi cool. On a tout appris des héroïnes dépassant leurs belles apparences. Le show, couronné de nombreux prix, a su mêler sans effort événements sombres, absurdités et comédies. Une recette mise au point par son créateur de génie, Mark Sherry. Alors pour la célébrer dignement, on s'est dit qu'un quiz consacré à ces héroïnes serait le bienvenu. Prêt à vous tester?